Yo tout le monde, c'est pas juste pour que vous allez bien, car les animaux se retrouvent pour une nouvelle vidéo sur AnimeTK19. Nous sommes avec le grand, l'unique, le seul, Marcus. Oh. Vous avez rien vu les gars, mais j'ai failli démonter mon micro. Et bah putain. Et les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un énorme défi qui a été très attendu. L'équipe, on se retrouve pas pour le défi 100 points en un match, mais pour son petit dérivé, pour son petit frère on va dire. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on affronte les Golden State Warriors, champion titre. Et je vous propose l'équipe, avec le grand Marcus Banks, d'essayer de mettre le plus de points possible. Non pas 20, non pas 30, ni... Enfin, le plus quoi, ouais, t'as compris. Évidemment, pour l'occasion, on va baisser la difficulté, hein, c'est normal. On va passer en... en pro, on va passer en 12 minutes le carton. Et on va clairement essayer de les démolir, de faire un match incroyable. Parce qu'on est actuellement 4ème au vote du All-Star Game. Et il faudrait que j'arrive à gratter la place de Jokic pour pouvoir être titulaire. J'espère que ça va vous plaire, je pense que ça devrait vous plaire. Je compte sur vous évidemment pour lâcher le petit like des familles sur cette vidéo, l'équipe. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là, avant que la vidéo commence, mets dans les commentaires, à ton avis, combien de points je vais mettre dans ce match? Combien de points je vais mettre? C'est un petit échauffement aux déficients pour la match. Et évidemment, si on arrive, je sais pas, autour des... allez, disons 2500 likes. 2500 likes. Je fais le défi 100 points la match. Voilà. Mais avant de commencer ce défi, les amis, je les ai déjà remerciés évidemment lors de ma dernière vidéo. Mais j'ai oublié de totalement vous montrer. Je remercie infiniment BenQ qui m'a offert cet écran de fou. Écran 4K. Un écran 4K vraiment incroyable et qui fait, comme je l'avais dit, la taille de ma maison. Mais si vous voulez en savoir plus sur cet écran, les gars, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà parce que au moins tu vas voir combien de points je vais mettre. Tu vas voir la vidéo en complète. Moi aussi, comme ça, je vous expliquerai vraiment en détail ce que cet écran a de spécial. Ouais, l'équipe. Let's go. Les amis, on est parti pour ce gros match Golden State Warriors contre les Houston Rockets. 34 victoires pour 2 défaites pour nous, 29 à 9 pour eux. Dans la vraie vie, les Warriors avaient perdu. Je me rappelle, j'étais à Los Angeles, les gars. J'étais à Los Angeles. Les Warriors avaient perdu suite à un match énorme, il me semble, de James Harden. Mais James Harden, qui est juste incroyable en dernièrement. On n'arrête pas de parler. MVP, pas MVP, Giannis, James Harden, Paul George, même si Paul George, il a un peu baissé dernièrement. Pour ma part, je serais plus au Giannis. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour ma part, je serais plus au Giannis. Surtout pour un nouveau match. On va essayer de planter le maximum de points possible face aux Rockets, face aux Warriors. Alors j'ai décidé de faire ce défi pour deux, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'avais envie de faire un gros défi et que c'est un défi qui vous plaît énormément et qui est vraiment cool à faire, tu vois. Et en plus de mettre des paniers, on peut postériser à gogo. Mais aussi parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je dois gagner des votes au sein, pour l'All-Star Game en fait. Alors Chris Paul, Harden, Banks, Farid, Capella. Putain, par contre, je préfère quand il y a Tucker en bas dans le 5. Parce que je trouve que Kenneth Farid et Capella, ça joue pas, frère. Allez les gars, en tout cas on est parti, let's go! On va demander beaucoup de ballons. Je vais pas spécialement tout demander. En plus, c'est KD sur nous. On va finir. Ok, ok. Mais je pense que... Défi... Là, c'est défi point max. Mon objectif, personnellement, ce serait d'en mettre... Allez, 70. 70, ce serait déjà propre. Après, j'ai pas joué en mode macar depuis un petit moment. Donc déjà, si on en met 70, je pense que c'est propre. Mais là, ce qu'on fera, on va dire que c'est un bon petit apéritif du défi 100 points. Si j'ai monté cover avec ce perso. Ok, on va finir. Enfin, pour le moment, c'est au calme. Hein. Par contre, j'ai un gros défenseur, donc faut que j'essaie d'intercepter des... Voilà. Voilà, exactement ce que je voulais dire. Non. Ok. En tout cas, pour parler rapidement de l'actualité, parce que je vais évidemment essayer de me concentrer. Hop, on y retourne. N1. Let's go. Pour parler un petit peu de l'actualité, il s'est passé quelque chose de très dramatique cette nuit. Quelque chose de horrible. Mais vraiment de quelque chose. Vraiment quelque chose de horrible. Pour ma part, j'ai regardé le match en entier. Ça s'est fini en deux prolongations. Les Blazers face aux Brooklyn Nets. Avec Yusuf Nurkic qui s'est fait une double fracture, il me semble. Tibia Peroné. C'est horrible. C'est horrible. Vous savez à quel point j'aime les Blazers. Vous savez à quel point j'aime cette équipe. À quel point j'aime Yusuf Nurkic. Je trouve qu'il est tellement un pivot sous-côté. Un pivot qui est incroyable, en plus il faisait un des plus gros matchs de sa, pas de sa carrière, mais de sa saison. Il était à 32 ou 34 points, 15 rebonds, 3 contre, 2 interceptions, 4 passes. Il faisait un match sensationnel et à un moment, je vous montrerai pas les images, si vous voulez les voir, allez les voir sur internet, je vous les montrerai pas, parce que franchement c'est horrible.
Il essaie de remonter, il me semble, pour aller chercher un rebond. Et il y avait Mo Harkless qui était à côté de lui, ainsi que deux joueurs de Brooklyn. Et en retombant, il s'est éclaté, quoi. Et franchement, c'est horrible. C'est horrible. Ok, nice. Franchement, c'est quand même un gros, gros coup dur, je trouve, pour Youssouf. Mais aussi pour les Blazers, s'il y a les playoffs qui arrivent dans moins de deux semaines, les gars. Il y a CJ McCollum qui est blessé. Je sais même pas quand est-ce qu'il rentre, enfin qui revient, et puis il va revenir de blessure, il sera pas à fond. Et Yusuf Nurkic, c'est fini, quoi. Je veux dire, les Blazers sont actuellement en train de faire une saison vraiment lourde, quoi, vraiment incroyable, quoi. Vous vous rendez pas compte. C'est horrible. Oh, la bonne défense. On y va. Et pour toutes les personnes qui demandent pourquoi je joue pas en Hall of Fame. Je joue en Hall of Fame, mais vous comprendrez. Après, évidemment, toujours pour parler rapidement de l'actualité, on a la bataille à l'Est entre Miami et Orlando. Qui sont pratiquement à égalité. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle ce soir, il y a un gros match qui est Miami-Orlando, tout simplement. Avec. Oh non, du coup, j'allais perdre. On a un gros match qui est Miami contre Orlando. Et c'est un match extrêmement important pour la qualif au playoff pour la 8ème place. C'est pareil, hein, je vais vous poser une question bête, mais. À votre avis, qui va se qualifier pour vous? Eh putain, mais les gars, mais les écrans, s'il vous plaît. Ok, Harden. Ça rentre. Nice. Moi j'ai pas spécialement de préférence, même si c'est un peu con, mais même si je pouvais mettre les deux équipes qualifiées en playoff, moi ça m'irait. Avoir Orlando et Miami. Miami pour la dernière de Dwayne Wade, tu vois, avant qu'il prenne sa retraite. Dégage de là. Et Orlando pour Nicolas Batum, j'ai dit. Pour Evan Fournier qui fait une saison de malade, quoi. Enfin, une saison de malade, il fait une belle saison. On va finir. Nice. Il fait du bien ce palais, ça faisait un bas, j'avais pas marqué, les gars. Oh nice, mange ça. Lourd. Faut qu'on continue de gagner des points en plus. Chaque panier que je mets sur la gueule de KD, les gars, c'est des fans en plus. Des fans en plus sont des votes en plus, des votes en plus. Sont une chance de plus d'intégrer le 5 majeur du All-Star Game. Et j'ai envie de faire un All-Star Game de malade. Putain l'enfant, ouais. C'est bien, Harden. Thank you. It's my time. Ok. It's your time, Capella. Voilà. Donc quand je vais me sortir, et c'est quelque chose de bien qu'il fait, il me ressort, il reste 10 minutes avant la fin de la première mi-temps. Oh merde, putain, c'est... j'ai pas vu. Oh. Bah manger, gros. 9 points d'avance, 13 points, 2 passes, 3 rebonds et 3 paires de balles. Les 3 paires de balles font mal. Nice. Bonne interception de ma part. Je vais finir. And one. Dommage. Par contre, c'est ouf le peu de panier que je mets, quoi. Je devrais tellement mettre plus. Après, c'est pas un défi 100 points, donc il faut pas que j'en mette 100 non plus. Et j'ai envie aussi de vous parler, en fait, et parler de l'actu comme je fais là depuis le début de la vidéo. Donc je suis pas en mode tryhard, quoi, c'est ça que je veux dire. Et merde. Et ça rentre. Et j'ai de la chatte. Ouais, t'as, il passe à travers l'écran et tout, mec. Viens me en faire un, s'il te plaît. Voilà. Oh, ce que Cousins y va de manger. C'est pas le poster le plus impressionnant de la planète. Mais wesh, gros, ce qu'il a pris. Oh là là. Ce n'est que le premier d'une très très longue série, les gars. Très très longue série. Croyez-moi. Monday. Voilà. Donc en fait, quand je défends pas, tu les mets pas. Et quand je défends, tu les mets. C'est l'enfoiré. Ok, on y va. Ok, au calme. Ok, les gars, on commence à se chauffer là. Ce serait bien si je pouvais avoir mon takeover. Si j'ai mon takeover, les gars, c'est fini. C'est fini. Ok, on est dessus. Tu passes rap. On passe devant l'écran. Ça, ça sert à rien. On a le rebond, on l'a pas. Et on fait la faute. Yes. Ok. Hop. On a bientôt le takeover, les gars. Et on gagne des fans, Les gars, je vous le dis, hein. Après, Coco à 3 points, je sais pas si je vais le jouer. J'aimerais bien, hein. Mais bon, ça va être une catastrophe. Ça, vous savez très bien que Banks, il a pas de shoot à 3 points. Il en a un, hein, mais bon, il en met... allez, 1 sur... Non, bah oui, marché. Il en met 1 sur 4, on va dire, tu vois. Mais encore, on va dire 1 sur 3 lorsque j'ai une bonne passe. Par contre, concours de dunk, les gars. Après, ça se trouve, ça va être différent. Genre, rappelez-vous, avec le petit roi, lors de ma première carrière cette année, là. S'il y a bien une carrière que j'aurais dû gagner, c'est un concours, je veux dire, que j'aurais dû gagner. Oh. Nice. Ok.
DeMarcus Cousins, fait. Kevin Durant, fait. Putain la vache, c'est sale les gars. C'est violent, regardez ça. Regardez ça gros, regardez le pauvre KD, attends. Oh non, regardez cette air incroyable que j'ai, mais regardez KD, il se cache le visage, il veut pas qu'on le regarde. Ça, ça t'apprendra à avoir quitté le Thunder, hein? Comme ça tu veux ta bagounette? C'est ça, ouais. Enfin, je me suis un peu emporté. Je tiens à préciser que KD, en tant que joueur, je le trouve incroyable, je le surkiffe. Bien, juste d'une manière que je n'aime pas ça en tant que personne. Voilà, on est d'accord. En tout cas, on a 22 points. J'aurais bien mettre au moins 50 avant la fin de la première mi-temps, c'est dommage. On peut encore les faire, hein, mais... Interception, non. Bonne défense sur KD. Superbe défenseur. Waouh. Oh, voilà. On y va. Bon, bah, au calme, hein. Curry, t'es pas loin, hein. On est plus sur un défi point max, là. On est sur un défi poster, les mecs. Clairement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on peut en faire un. Le seul et unique défi, lâcher un maximum de posters. Ça pourrait être sympa. J'ai dit les gars, quand il y a le takeover, voilà. Hein. Bon négro. Nice. Attends. Oh, c'était... Oh, c'était dur. C'est pas ce que je voulais faire en plus. Oh là là. Ebex, il est vraiment... Au niveau finition, c'est... Maman. Maman de la casa des papales. Merde. Putain. Ok, le petit flotteur. Hop. Bonne day. Ok, Capella. Oh, calme. Oh là là, Arden. Ok. Ok, on est sur un petit 32-6-4 à la mi-temps. Le coach me sent les gars, c'est la fin de la première mi-temps, pardon. On mène les Golden State Warriors pour au moins 70-45. On fait un beau match, je pourrais faire, je pense, beaucoup mieux. Mais bon, voilà, vu que je parle un petit peu, etc., je fais, voilà, un peu bonne humeur, voilà, un peu foufou, voilà, je suis rentré dans ce match ensemble, tout cela dû à mes coéquipiers. Mais, on fait comme un bête de match, on est pratiquement à 40 points, sans forcer, hein, vraiment. On fait un petit match sympa, on a des petites occasions sympas, donc voilà, j'espère en tout cas que vous prenez du plaisir en regardant cette vidéo, j'espère que vous passez un bon moment. Je compte sur vous en tout cas, hein, si c'est le cas, pour lâcher le petit like, partager la vidéo, vous abonner. Et puis voilà, on va être parti pour le deuxième mi-temps et on va essayer de continuer de faire du sale. Ok. Ok, le petit flotteur, mon pote. Allez, mange ça. Non, mais wesh. Allez, prenez-le, tu m'as vu. Ok, on finit. Let's go. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'était dur le N1. Oh là là, j'aurais tellement pu y aller dès le début. On a sorti les bibis, mon pote. On a sorti les bibis, mon pote. Maintenant, faut mettre le lancer. Voilà. 39 points, les gars. On va finir. Wouh, Jordan Bell. C'est fait. Voilà, là, ce qu'il a pris aussi, gros, c'est incroyable. La puissance de Banks, c'est incroyable. J'ai envie de lâcher un gros poster bien sale, là. Tu sais, où tu lui montes bien dessus, là. Tu passes ta jambe par-dessus, ce serait lourd. Et merde. Monday, non, en fait, je vais. Le coach me sort, la gars, il me rend début de 4ème quart-temps. Bon, c'est un peu dommage quand même parce que tu vois que je galère quand même un petit peu, mais surtout en fait, sur leur mental, et du coup, je joue pas beaucoup. Vraiment, je joue pas beaucoup, je trouve. Ça, c'est vraiment hyper dommage. D'accord, on a les deux lancers. C'est vraiment super dommage en fait. C'est un peu une déception quand même, je vous avoue, de jouer si peu. Pourtant, je perds pas spécialement. Enfin, je perds quelques. J'ai perdu 3 ballons, je crois, mais genre, je fais pas spécialement beaucoup de fautes. Donc, c'est assez, assez dommage. Vu qu'on leur met une tôle, le coach, bah, il met au repos un peu. Après, je sais pas si on peut gérer ça, le nombre de minutes et tout. Pour le défi 100 points la match, peut-être gérer ça. Histoire qu'on joue un maximum. On va finir. Wouah! Cette flagrante qu'il a pris des Marcus. What? Ah, il m'a cisaillé en deux, il m'a découpé. Ok. Le deuxième, on récupère la possession. Nice. J'ai bientôt mon takeover. En plus, si je mets le panier, j'ai mon takeover. Voilà, on distribue un peu, les gars. 70 points, ça va être show the night.
Nice. Thanks. Ok, force. Nice. Tant mieux pour nous. Fais-moi un vrai écran, s'il te plaît. Allez les gars, on continue. On a eu 0 passe à loop aussi d'ailleurs. Ça c'est le problème, c'est que du coup, vu que j'ai demandé énormément de ballons... Vu que j'ai demandé énormément de ballons en fait, et que j'ai vachement croqué, bah tout ce qui passe à les hoops, etc. J'ai pas spécialement eu les coupes dans le dos et tout. Donc je pense que c'est pas un total... une totale réussite ce défi. Et en fait, je pense qu'avec mon ailier, je dois pas croquer autant. Parce que j'ai tellement des bons meneurs autour de moi, il faut que je la demande au bon moment en fait, vous voyez ce que je veux dire? Ok, ok, nice, maintenant. Et on finit, let's go! Allez, mange ça. Mange ça. Regarde, le coach me sort les gars, c'est la fin du match, 131 à 104, j'ai pas beaucoup joué. J'ai clairement pas beaucoup joué. On finit à 51 ou 53 points, je crois. 10 rebonds, 7 passes. C'était pas un match, ouais. Vraiment, je reste sur ma fin sur ce match. C'était vraiment un apéritif du défi 100 points à la match. Je sais ce que je dois faire ou pas pour ce défi 100 points à la match. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez kiffé après. Vous, avec le découpage et tout, vous voyez pas spécialement les moments un peu mous. Mais il y a eu des moments où c'était vraiment un peu mou, un peu chiant, vraiment. En tout cas, je sais ce que je dois faire pour réussir le défi 100 points à la match. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des défis que vous aimeriez voir, si vous avez hâte de voir le All-Star Weekend avec le concours à 3 points, concours de All-Star Game. Avant de mettre fin à cette petite vidéo, je vais vous montrer cet écran de ouf. Les gars, je vais vous montrer ce qu'il a de spécial, pourquoi il est si ouf. Donc voilà, en tout cas, le match il est fini. Je compte sur vous pour lâcher le like, partager la vidéo, vous abonner. Les amis, je vous présente mon écran. Le BenQ EW3270U. Je remercie vraiment BenQ parce que cet écran, franchement, est incroyable. Car déjà, comme vous pouvez le voir, il est énorme. Il fait la taille de ma maison. Soit 32 pouces, exactement. Avec une 4K, franchement. Vous savez, moi avec ma PS4 Pro, je peux vous dire que... Mama. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Et ce qui fait la particularité de cet écran aussi, c'est qu'il a un jeu de lumière juste fou, vraiment. C'est un 4K, 4 ms. Les ms, c'est le taux de rechargement en fait des images, donc c'est très important pour le jeu vidéo. Et c'est un écran 4K qui profite aussi de la technologie HDR, les amis, très important, mais aussi du Low Blue Light technologie. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous jouez au jeu vidéo et lorsque en fait vous regardez n'importe quel écran, un écran d'ordinateur, un écran de télé, votre écran de téléphone, etc., vous avez une lumière bleue en gros qui va affecter vos yeux. Et en fait, cet écran, il a une technologie qui va faire en sorte que ça affectera beaucoup moins vos yeux. Pour le jeu vidéo et les connaisseurs, il a évidemment la FreeSync, qui est vraiment hyper intéressante lorsque tu joues au jeu. Et juste derrière, évidemment, tu as les ports HDMI, mais aussi de l'USB-C, de l'USB normal. Aussi, évidemment, tout ce qui est haut-parleur, etc. Mais ce qui fait aussi la particularité de cet écran, c'est ça. Vous voyez ce petit bouton-là? Vous voyez ce petit truc? Voilà. Vous avez la possibilité d'activer la 4K, de rajouter les petits effets, des petits effets de lumière, etc. Et vous voyez la différence que ça fait? Vous pouvez faire plein de petits jeux comme ça. Et à votre bonne convenance. Non, franchement, je remercie BenQ de m'avoir offert cet écran. Ça me change la vie. Vraiment, ça me change la vie. Niveau qualité, franchement, tu fais un step-up de fou. Comme j'ai dit, avec ma PS4 Pro, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je les remercie. Si vraiment vous voulez encore plus d'informations sur l'écran, vous avez le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez tout ce que vous souhaitez sur cette beauté. Et il y a aussi les endroits où vous pouvez le trouver si vous souhaitez l'acheter à un prix abordable. Et moi, en tout cas, les gars, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis voilà, merci d'être là. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était pas.